Bonjour, bonsoir amis internautes, comment nous? C'est un plaisir pour moi, à chaque fois, j'ai des chances pour me chanter un micro ça pour me porter pour nous une nouvelle émission. Écoutez bien. Ancien président américain qui c'est Donald Trump, lui fait une grosse déclaration. Et après faire déclaration ça, il y a un peu de monde qui juge que déclaration ça, Donald Trump fait là, il n'y a pas d'avantage. C'est la raison pour laquelle il y a un peu de monde qui a prié bon Dieu. Pour Donald Trump ta mourir pour ta faire un arrêt cardiaque. Gen moun ki ale pi loin ki di ke t'assemblée Donald Trump c'est cent planche qu'elle prend qui fait que Jenny Dodzala la fait gros bout ton déclaration ça yo. Donald Trump fait qu'on est nan déclaration ça qu'elle fait là, li fait qu'on est que li pral envisager un changement radical nan politique immigration aux États-Unis. Donald Trump dit comme ça, si li vin président encore là, il dit, li pral gen yon gros opération. Tande oui. Li dit, li pral gen yon gros opération déportation dans tout pays ya. Pour faciliter opération ça, li dit, li pral bay garde national à fonctionnaire l'état yo pouvoir pour arrêter et puis voyer immigrants qui vivent illégal dans le pays États-Unis pour tourner la caillou. Attendez oui. Ça veut dire là, il y a un peu de monde qui a sauté. Il y a un peu de monde là, déclaration ça Donald Trump fait là, il n'y a pas d'avantage. Il y a un peu de monde qui allait plus loin, qui a dit oh oui, nous allons commencer à bouler magie dans le Donald Trump pour manger. Il y a un peu de monde qui dit encore, déclaration ça Donald Trump fait là, c'est cent planche qui prend. Depuis qu'on grand monde prend cent planche, il fait tout ça il veut. Grand monde toujours dit grand monde avec monde fou, yo mouri mort yo veut. T'as semblé vrai, c'est cent planche Donald Trump prend. Parce que là, l'autre dit on va faire une grosse opération déportation dans tout pays là pour faciliter opération ça fait. Il dit li prend bail garde national à fonctionner l'état au pouvoir pour arrêter et puis voyer immigrants qui vivent illégal yo tourner dans pays yo. Donald Trump fait qu'on est depuis le premier jour il rentre dans Maison Blanche pour un pour deux il prend un décret pour tenter refuser citoyenneté à tout monde qui fait dans pays États-Unis. Tenez bien que parents yo pas de résidence ou bien pas citoyen américain. Nation je te dis depuis dans histoire n'a dit Amérique aux américains. De vous faites dans Amérique là ou c'est américain. Pour Donald Trump, n'importe monde qui vient dans pays là de vous pas nationalité américaine, de vous petit tout fait, il pas américain. C'est ça le dit là. La doctrine de Monroe. Mon qui était l'école yo, doctrine Monroe. Amérique aux Américains. Pour Donald Trump, il dit immédiatement lui entre dans Maison Blanche, la prend un décret pour tenter refuser citoyenneté à tout monde qui fait dans pays États-Unis. Je dis à là où on sait ou voyager ou entrer dans pays États-Unis des fonds tout monde ici américain. Donald Trump dit comme ça même depuis l'entrée pas bagarre comme ça. Pour tout monde américain, faut parler américain tout. Et ça il dit là. Après les gars sont ça Donald Trump fin fait là. Gien un peu monde qui rentre dans pour merde là qui a sauté. Gien un peu monde qui passe par Mexique pour entrer aux États-Unis qui a sauté parce que yo illégal. Et yo pas t'arrimer pour Donald Trump ta prendre élection. S'il prend la fait ça le dit vrai. Un peu monde a une déportation. Et de pour cette la situation haïtienne qui enceinte, il traverse États-Unis, de fait timon là, il va pas américain. Va faire yo haïtien pareil. Il va pas gagner la société américaine là. Et ça le dit là. Bon. Vous entendez? On barre Donald Trump parce que t'as semblé cette planche libre. Mais le monde dit, il prend cette planche. Oui. Ou quoi Donald Trump comme président? Si c'est pour, si c'est pour acheter l'élection, il a acheté. Parce qu'il a l'argent. Oui, il a l'argent. Mais aller dans l'élection pour bon. Pour ces gens qui votent, il va voter. Parce que vous êtes raciste. On quitte quand nous prenons prière. Chargé d'affaires pays États-Unis dans pays d'Haïti qui c'est Eric Stromae voyez yon pinga bay moun kap utilisé Nicaragua. Mes amis,
Mon petit mari vote. Chargé d'affaires. États-Unis qui trouvent dans le pays d'Haïti. Eric Stromae. Voyons gros pinga by moon cap utilisé Nicaragua pour arriver dans le pays États-Unis illégalement. Dans un message ambassadeur li publié hier comme tout bien hier qui était vendredi 3 novembre là. Il dit sous diverses plateformes réseaux sociaux yo diplomate l'a dit y a déporté moun ka fait Jean de voyage sa yo voyage aller Nicaragua pour entrer illégal dans pays États-Unis pas voyage dit par voie terrestre c'est un processus qui pas certain et qui dégénéré ba ça dit non ba moi prendre pour nous connait en anglais lié. Je vais regarder si je traduis bien. Il dit voyage aller Nicaragua pour entrer illégal États-Unis par voie terrestre, c'est un processus qui pas certain et qui dangereux. Oui, c'est déjà lié. Dangereux. C'est ça, diplomate Eric Stromae. C'est ça, il dit là. Stromae encourage Haïtiens. Pour utiliser voie légale plutôt pour arriver dans le pays États-Unis. Liciter par exemple le programme Biden. Non. Mais il faut que bien Eric Stromae. Dans le programme Biden, il y a des gens qui filent depuis le mois de janvier. Il y a plein d'emails qui ne sont pas venus. Qui ont dit oh oui, pour ne passer par voie légale, on ne peut pas programme Biden. Non. Pour ne passer par le programme Biden. Non. Et les gens qui filent depuis le mois de janvier, à nos jours là, maintenant, mois de novembre. Moun yo jwenn un email la toujours qui sa dire moun sa yo faut ou conseiller moun sa yo qui nan programme de nan pour dire on essaie pas moun plus rapide on prend plus moun par mois c'est ça pour dire yo et selon ça il dit là il dit selon rapport li ba dit gen déjà gen 70 000 haïtiens qui approuvé jusqu'à mois d'août là qui entré dans pays États-Unis dans programme Biden nan ça veut dire là faut nèg sa yo prendre au sérieux. Raison pour laquelle haïtien quitte pays yo passe par Nicaragua pour entrer aux États-Unis, gen un pile moun qui passe par Nicaragua pour aller aux États-Unis, c'est moun qui au fil pour yo, je pas attendre encore. Tenez bien message pour Eric Stromae qui c'est ambassadeur américain ou bien diplomate. Tenez bien. Parlez avec moun qui n'a pas programme de yo, qui valide moun, qui examine dossier yo dit on fait effort pour prendre plus moun dans programme nan. Nan programme de nan fait effort pour prendre plus moun. Majorité moun qui traverse par Nicaragua qui entre Mexique, qui traverse aller États-Unis, c'est moun yo fil pour yo dans programme de nan qui pas capable encore depuis mois janvier. Y a tant email, yo pas jambe un email, yo obligé al tan ni nan route. Yo obligé entrer. Si n'a prend plus moun, prend plus moun. Au programme comme ça et bah date depuis mois janvier moun yo fil pour moun j'ap tan email yo pa jam voye email la kou n'a di oui on passe pas voie légale yo par exemple programme Biden nan et pour ka kore sa so di a ou ba yon rapport déjà gen 70 000 haïtiens qui déjà approuvé jusqu'à mois d'août là c'est pas kimé 70 000 haïtiens qui déjà approuvé combien pas approuvé combien pour jwenn email yo c'est ça pour di nous. Combien pour que j'ai un email yo? Est-ce qu'elle pas plus toujours que 70 000 là? Oui. Gen pi moun fil pou yo là. Mon cher, so di a la, li belle li pas joli. C'est plus moun pou nou prendre programme de nan, si son te moun yo souffri. $3,000 américain yo prend, yo paye. Pour passer Nicaragua pour aller Mexique pour arriver États-Unis, comme ça te ka fon bel bagay États-Unis. Li te ka commencer un business dans pays États-Unis. Oui, mais mon petit restaurant là, monsieur, pas te cordé, pas te à la haïtienne. Tu te ka fait derrière, tu spaghetti le matin, tu café, tu te ka fait derrière. Mais, c'est ce que nous trollons avec email yo qui veut que moun yo passe par Nicaragua pour entrer aux États-Unis. Pendant n'a pas aidé aux États-Unis, hein, comme vous bien, vous connaissez, comme nous n'a pas aidé aux États-Unis, la police dans New York annoncé. Yo découvri cadavre yo grand moun 67 l'année dans boîte carton.
dans un appartement dans Brooklyn hier vendredi a agent police New York yo té débarqué sous place après yo appel urgence qui c'est 911 qui té alerté yo sous ça. D'après ça la police nous connaît c'est petit garçon dame nan qui touyel et puis mettel non boîte carton petit garçon hein, selon ça la police nous connaît yo pas révélé non li et li admet c'est lui même qui te frappé grand moun nan jusqu'à ce grand moun arrive mourir. Citoyen ça qui dit yo dit li gen problème mental. Tendez oui, li gen problème mental. Li trouvel pou kounya la nan garde à vue jusqu'à présent l'an mort grand moun 67 l'année a poko clair parce que yo jeune nan bat carton et nèg la gen problème mental, yo pou ka examiner ki jan grand moun nan fè mourir et pou ki sa mi se mette nan bat carton. Malé rendez-vous nan prochaine émission pou ka vinn tete l'autre dossier. Pas oublier channel ça, c'est production 69 nan mande pou like, abonner, peser sou cloche notification, retirer sou personnalité sou tout pour lè nan kon vidéo pou pa rater. Virus sida et l'autre lan ki genyen hépatite B, mais nous apprenons ces vice délégué a ki li même té fait saisir ça donc n'a pral retourner sous ça pour lui capable ba non plus explication sur comment ça t'est passé puisque gagne un peu le monde qui croit son dossier que l'état n'a plus au niveau t'a dû pencher et sous lit. Vice délégué, bonjour, bienvenue sur Caraïbes FM. Et bonjour guerrier de Sel, bonjour tout le monde qui fait partie salle de nouvelles Radio Caraïbes, bonjour à tout auditeur et auditrice qui attendent Radio Caraïbes en Haïti, dans quoi l'étranger. Bon, faut tirer votre trace pour nous, non, et fil événement ça, qui ça qui t'est poussé, non, Kimbe, Thermosa, qui t'est gagné 27 pochettes sans, qui t'est poussé, non, by ministère de Santé publique, jusqu'à ce que vous voulez tester et pour faire découverte ça. Effectivement, jour qui était 13 octobre, 2023 et au niveau de frontière d'Abon-Wanamet, à chaque sortie que immigrants a sorti, nous t'es obligé de faire contrôle de monde qui a sorti, plus monde qui a sorti avec marchandises. Vers les 2h05, les obaïs mounio sorti, n'a fait contrôle sur mounio, gen un jeune garçon qui gagne un igloo faber glace sous tête li. Et puis nous, moi-même, comme vice-délégué, me dit, monsieur, qui sont votés là? Monsieur dit, son sang. Il me dit, qui est-ce qui met sang? Et puis monsieur dit, son docteur qui bat le côté. Il me dit, bon, faut que par exemple, sans ça, nous connaissons que sans ça, on ne peut pas traverser comme ça. Il faut que vous ayez autorisation, direction départementale, santé publique. Et puis il dit, bon, il a pour les médecins, vraiment. Médecin, il paraît, il dit, bon, ça, bon, son sang que lui-même, il gagne, puis sauver des vies, gagne des mondes, et qui est dans sa l'opération. Il me dit, bon, pas de problème, moi-même, je fais ça ensemble avec le directeur départemental de santé publique là. Médecin, son docteur lié. Oui, son docteur. Ok. Mais mon capitaine soit là, bon, son monde seulement, peut-être, ne pas connaître, ils sont moyens de transport seulement, ils dépotent. Et puis, donc, on dit docteur, comme ça, on ne peut pas avoir, par exemple, juste pour ça, bon, il faut que le directeur départemental là, analyse ça pour voir comment ça est. Et puis, bon, lui-même, il était coopéré, d'accord. Moi, je fais rapport à la délégué départemental là, il dit, coordination ensemble avec le directeur départemental de santé publique là qui vient avec l'autre monde qui a récupéré ça et puis je le contact et docteur me dit bon c'est pour un docteur me balil et puis me dit lui même l'affaire est reçue mais seulement pendant docteur avec moi le docteur appelé directeur dit dit non on est sans ça on va pas traverser comme ça faut que par exemple du jour je teste dans le laboratoire national bon c'est comme ça. Moi-même, je remettre l'île. Après, bon, c'est à mon grand étonnement, et vendredi, je me suis dit, sans ça, c'est ça qui est fait. C'est tout un cadeau de l'histoire, ça. Okay. Mais quand on est là, et le monde qui était porté ça, nous, l'Italie, nous t'es quitté l'aller ou bien?
Oui, nous avons retenu qu'un contrôle sous lui. Okay. Vous inquiétez l'aller, les mêmes idées de qui est-ce qui était pas le botel. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Et les gens qui étaient pas le botel là, tu es venu pour réclamer ça. Oui, il est venu réclamer. Mm-hmm. C'est parce que par exemple, je suis dit, tant de quantité à 27 pour que c'est tant de. Non. Mm-hmm. Tout ça, on va capable aller, il faut que vous gagnez. Et il y a un grand test qui fait sous lui. Mm-hmm. Mais c'est une pratique sous frontière là, tout le temps, mon yo, toujours si vous avez besoin de sang. Il y a qu'on allait prendre 2 pochettes 100, 3 pochettes 100 au niveau de Dabon. Mm-hmm, mm-hmm. Ok. Mais qu'on y a comme autorité locale qui contrôle qui suit une fait avec Mounsa, médecin ça, qui les mêmes viennent réclamer sans yo. Oui, bon. Et c'est le directeur départemental de santé publique là, c'est les mêmes qui connaît. Et c'est les mêmes qui gagne dossier à Namely. C'est lui-même qui vous connaît suite légale que l'a fait avec mon âme. Ouais, quand même, il faut que il y a quelqu'un qui mène. Pour mon âme, lui-même, il dit qu'il côté le soda sans, côté plus bas, il côté sans sortir. Ok. Dans le laboratoire, tout ça. Oui. Ou alors, docteur ça, c'est les mêmes qui gagnent l'hôpital, les cliniques. Non, son docteur, bon, quand bien même, il travaille au niveau de communauté, hein. Il travaille dans la clinique, yo. Mm-hmm. Il travaille dans deux plus gros cliniques qui sont dans la ville là. Ok. On va voir, ils ont des pharmacies, bon. Mm-hmm. Et c'est ça le fait garder de docteur parce que je me connais dans la ville là. Ok. Bon, vous gagnez dans le tout? Oui, bon, on connaît bien le débat et le directeur départemental de santé à Noli, je suis en contact avec lui. Mm-hmm. On va prendre trois enquêtes là, je ne vais pas révéler le nom docteur sur radio. Bon, c'est important pour que nous, bon, lui-même pour le dafont se parler pour expliquer. C'est vrai, peut-être si la justice s'est mettée dans un mélange dans un dossier pour le bas explication, mais il a doué tout citoyen ou explication, ça qui passé. Donc, dans quel laboratoire il était fait demande sans ça, et est-ce qu'ils sont habitués à faire ça pour qu'il y ait sans OTI, etc. Donc, il y a des questions qu'elle t'a supposé répondre. Ouais. Mm-hmm. Okay. Oui, ok, donc parce que hier nous t'es parlé, on t'a dit non, nous t'es entendu pour que vous passez non, docteur ça qui c'est Yon Fi, donc MSPP a gagné l'autre détail pour le bail sous ça, mais à part question sans viser les gains, gagner de l'autre produit qui a traversé frontière là qui pas de qualité, et est-ce que nous, ça arrivait que nous touchions de ça comme autorité locale? Oui, nous touchions de ça. Et sous frontière là, il y a un pile de produits qui a passé, des médicaments qui a passé, parce que dernièrement, même jour que nous dépensons, il y a un médicament pour insuline, pour te saisir tout. Il y a des fruits qui ont sorti, qui sont de mauvaise qualité, il y a des œufs, il y a assez de plastique, c'est plus ça, pour moi-même constater moins. Cap sauté en République Dominicaine. Mm-hmm. Okay. Fouille, c'est pas fouille qui est capable de résister à 2-3 jours. Je vais exister même pour une semaine. Mm-hmm. Il n'y a pas qu'un produit cap sauté. Là, je crois que le directeur commerce là, il a travaillé en pile sur ça. Mais flux produit cap sauté de façon irrégulière dans la frontière là. Et qui compte passer tout. Dans le point officiel là, je crois que ça a demandé à questionner. Okay. Je crois que la disposition que nous prenons avec des clients commerciaux là pour que nous fassions des produits, c'est des produits que nous détruisons rapidement. C'est le cas, il y a une viande qui a sorti en République Dominicaine vraiment à ça, inacceptable. Mm-hmm. Depuis arrivé, nous-mêmes nous détruisons. On va parler de viande, nous dit qu'il vient de sentir. Vient de sentir. Mais c'est quoi ici qu'à l'acheter? Les à l'acheter, ça vous fait avec lui-même? Les acheter, lui, venez sur tout le territoire là. Vous venez l'Ister, Montoui, et Port-de-Paix. C'est tout, par exemple, juste dans tout pays que ça vient de faire au Libre. Ok. Parce que c'est des machines qui sont de l'autre côté, puis vous venez acheter. Il y a là avec lui.
OK. Non mais est-ce que c'est pendant et dernier levé campé fait là avec question frontière fermée, question canal là qui fait nous vigilants comme ça ou bien depuis avant dès qu'on a porté attention à ça? Depuis avant son bataille que nous toujours mener contre viennent sortir ça. Mais yo moun sa yo ce sont des personnes yo très très yo très tactique nan yo. Là par exemple barre sous point yo même yo point rivière là pour yo passer. OK. Mais dans dernier jour ça nous même nous vinn obligé plus vigilant sous frontière là parce que après décision unilatérale président dominicain de prend qui ferme frontière aujourd'hui matin ferme frontière là. Après les mêmes il prend quelques autres décisions. Il parle de corridor couloir commercial. Ça nous même frontière beaucoup de panneaux fermés. On vient au moins plus vigilant parce que mon yo gagne en pratique de la nuit. Yo jambé frontière là en complicité avec les militaires dominicains parce que yo qui peut passer pas manne pas paquet normalement. Et puis les pia pour retourner, ils retournaient sous pont officiel là avec marchandises. OK. Dire, nous obligés camper pour nous stopper et de ça. Et c'est un pile marchandises parfois tout à coup par exemple juste frontière ouvert officiellement. OK. OK, on a des questions et délégué pour capable fini son ami qui dit moi m'a dévisé les gars qui n'ont vaccin qui van ça parce que d'abord pas gagné vaccin officiellement reconnu. Est-ce que noté ouest qui noté écrit sur pochette yo? Directeur départemental de santé publique là lui-même dit qu'il y a tout détail. Il y a tout détail mais docteur l'était pas là même il dit une fois sorti mal. Mao, la côté lui-même. Côté Mao, il tout pour Santiago. Ok. Il tout pour l'Ouest aller Santiago. Mao, c'est Baxan, c'est côté l'acheter ça. Oui, côté l'acheter ça. Ok. Merci. D'accord. Bon ajout à tout le monde. Voilà. Chaque passé, Dominicain, yo comprend les yo vend nous, yo service et cadeau fait nous cadeau. Parce que il y a un pile monde qui a un passeport bloqué depuis 29 d'août. Oui, on m'a parlé, oui. Allô? Oui. Bonjour, guerrier. Bonjour, Johnny. Bonjour, tout auditeur qui a écouté Grand Boulevard matin. Bonjour, magistrat. Attendez-nous dans le téléphone dans Pito, OK? Pour pas en haut temps. Attendez-nous dans le téléphone dans Pito. Oui, si tu as ce présenté, hein? C'est question passeport avec documents bloqués dans le consulat dominicain au début 29 août 2023. Parce que Dominicain pas ban nous visa. Dominicain pas ban nous visa, nous acheter visa dans le Dominicain. Mais passeport nous ensemble avec documents en pile haïtien bloqué depuis 29 d'août. Nous demandons pour autorité qui concerne le ministère des Affaires étrangères, joindre avec homologue de la République dominicaine, ensemble avec le monde qui est responsable et consulat, puis vous connaissez qui est à remettre nos documents. Oui, allô, Maïsa? Oui, allô? Nous gagnons un ensemble de passeports qui sont dans le consulat dominicain pour acheter visa. Yo pa ba visa comme yo nan meyo passeport nan meyo. Comme yo nan meyo passeport nan meyo. Depuis 29 d'août 2023 sot passé ya. Ça pa gen 2 mois environ. Nou pa gen personne moun pou ki di nou ni ki lè ni ki jou n'ap jwenn ni document yo ni kobyo parce que mwen gen un proche mwen ki te gen pou tal fon intervention en République dominicaine. Mais entre la vie et la mort, li pa connait ta pou fè, yo t'ap chèche moyen, yo t'ap avèl Cuba. Jusqu'à maintenant, document bloqué, nous pas connaît qui c'est pour nous relayer. Donc qui ça nous gagne comme appel matin là pour permettre que au moins nous récupérer passeport ça va comme ça. N'a demandé ministre affaires étrangères là pour lui voir avec homologue pour lui parler avec responsable cap travail pour consulter puis on vient remettre mon document yo ensemble avec copie parce que président dominicain, tu mets ton visa, il va ici loin, parce qu'il ferme toute relation avec nous. Mais il faut venir mettre nous comme nous, avec passeport, nous, avec notre document, nous. D'accord, pas de monde, non?
qui te bail passeport mon visa pour yo mais au fait mais dans consulat dominicain là l'argent on a mais yo passeport on a mais yo passeport on a mais yo nous pas gagne monde pour qui parler pour nous pas gagne ce pour nous reler pas jamais gagne monde qui jamais intervenu ministre ça fait toi dire ministre d'aller dans l'ONU c'est pour demander à Binader qui ça qui cause lui fermer tout point gagné il fait mes immigration il fait mes consulat il va dire mon rien il fait tout la situation cependant yo même pour yo satisfaire moun wana met yo satisfaire nous yo bon sel bagay a ti canal la pas camper mais yo pas mettre quel matériel à disposition de moun ka fè travail dans canal là. OK. Eh bien d'accord, nous passons que message a passé mais merci un peu le Manouchka Joseph. Merci Johnny, merci Guerrier. D'accord, merci un peu. On va retourner dans le studio nous depuis Rue Chavanne Port-au-Prince. C'est bon nous recevoir citoyen ça qui passait là pour un sujet d'habitude traité là. C'est des monde qui prend image li qui mettait qui dit on a gang, c'est ça? Oui, c'est ça lié. Bonjour monsieur Guerrier, bonjour monsieur Ferdinand. Moi et... déclaration de la police là. On va parler. Oui. Et m'a salué PDG Monsignac qui ban nou gros patrimoine ça tout. Et puis m'a tout profité souhaiter monsieur Bob C un joyeux anniversaire. OK? Et m'a salué tout et auditeur radio Caraïbes. OK. Et donc même c'est Pierre Audelin. Oui, avant tout moi c'est Pierre Audelin, okay. Moi c'est Negench. C'est un choix. Sorti plateau central et me fait études classiques moi dans lycée du Massé estimé après m'entrer Port-au-Prince moi étudier sciences comptables dans l'université Unica et m'habiter en pleine dans zone Santo. OK. Oui, expliquez-nous non ça que menon là matin et ça que menem là matin sont individus mal intentionnés et non identifiables que me presque pas ca identifier qui prend une ancienne photo son photo qui datait de 2013 à 2014 à l'époque si me pas trompé m'étais dans 4e année faculté m'ba ko gèl li prend sur Facebook et il publie il moi photo mettez le compte ça vous mon ouais belle comme ça. OK et il dit qui ça il est sur pour vous non il publie il sur Facebook et il dit monsieur les Mike alias Pierre Loura il c'est membre gang ISO il dit mais c'est photo il prend photo c'est pas photo mais c'est pas nom il dit monsieur les Mike lycée li alias Pierre l'oreille lycée membre gang ISO li dans base dans Kaoli Jérémy Boakali nom pas mon Jérémy c'est mon H et bon son petit frère qui pas même en Haïti qui ouais photo qui voyait pour moi vendredi hein. Okay. Je suis sincèrement depuis vendredi, je ne vais pas bien. Et je suis obligé à le DCPJ pour me faire suite légale. Mal DCPJ prend information yo, et puis pour faire enquête, je passe dans le commissariat tabac, côté ban moi. Et pour me faire suite judiciaire. Okay. D'accord, coupage la relais, comment? Kalou? Kalou Kajou. Kalou Kajou. C'est Kalou Kajou. Kalou Kajou. Et DCVJ dit qu'il y a une pile page sur Facebook là qui a fait travail ça. Et M. Guerrier remarque que je fais son monde qui publie presque chaque jour, il republie photo ça. Si nous essayons de monter sur page là, nous avons gardé son photo qui publie près de 10, 12 à 15 fois. Ok, ça a dit M. Gomba, elle a fait passer. Son monde qui a un problème personnel, bon, pas arrivé à identifier. Et page là non plus, il n'y a pas de nom. Et il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de adresse. Ok. Ok. Donc, moi, je passe là pour, d'ailleurs, au sorti dans le DCPJ ou dans le commissariat. Ok, pour dire que on pas gagné pour ni de près ni de loin. Oui, bon, m'pa gen pièce relation ni de près ni de loin. Dans le document, nan mon nom ka vérifier pour moi avec gang. M'pa gen pièce relation avec gang. Moi-même, c'est un jeune d'ailleurs dans le domaine d'enseignement. Et m'a fait coup depuis 2011 m'étudier sciences comptables beaucoup j'aime travailler sous profession ça fait yem t'attendre monsieur Ferdinand qui t'est venu avec idée ça et concernant flow moun k'ap quitter pays a gon paquet de jeunes qui étudient dans pays a mais pas j'aime ka travail c'est dans domaine enseignement yem gen près de 11 ans
depuis dans le domaine d'enseignement dans la zone La Plaine. Il y a plusieurs écoles que moi enseigné, m'enseigner physique et économie. OK. OK, par exemple moi j'ai republié ça c'est 9 mai. Premier bien les premières fois le publier là c'est 9 mai. Uh-huh. Si vous regardez pour moi octobre là, les 14, 15, 16, 17, 18, les républiés.